Ce mercredi 31 août, la première édition des Traîtres s'est terminée sur une victoire inattendue. Six célébrités étaient encore en compétition pour emporter la cagnotte de lingots accumulée depuis le début de l'aventure. Et à l'issue d'une série d'épreuves sur le thème des jeux d'enfants, les enquêteurs ont dû s'éliminer les uns après les autres lors de l'ultime table ronde. Tour à tour, l'écrivain Bernard Werber, le comédien Bruno Sanchez et enfin la youtubeuse Melo Coco ont été évincés, notamment grâce à la puissante alliance entre Elsa et Snow et les deux traîtres encore dans la course, Clémence Castel et David Douillet. Pour finir la partie, le redoutable duo Clémence-David a dû faire un ultime choix entre la loyauté et la trahison. Le binôme a finalement décidé de se partager les gains qui s'élevaient à 34 400 euros. Il n'y aura donc pas un, mais deux vainqueurs pour cette première saison.